Pardon? C'est le docteur Mukwege, Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix qui arrive. S'il vous plaît. C'est le docteur Mukwege qui arrive. C'est pour qui? Après ces échanges avec le président pas, de la République. Tenir tous les micros sont sur l'autre côté. Hein. Tu dois filmer. Non. La dame de la côté. Là, c'est le docteur Mukwege qui arrive. Elvira, tiens, s'il te plaît. Voilà, le docteur Mukwege qui arrive. Mets les deux, non? Elvira, quand il Docteur Mukwege, vous venez d'avoir une entrevue de près d'une heure avec les chefs d'État. Est-ce que pouvez-vous nous dire de quoi il a été question? Nous venons d'être reçus par le président de la République. Considérant la situation qui prévaut dans notre pays, considérant également que notre pays vient d'une crise profonde, où les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre ont été commis, et en plus de ça, c'est un conflit qui a été parmi le conflit le plus meurtrier après la Seconde Guerre mondiale. Ceci a eu des conséquences désastreuses sur le plan social, sur le plan économique, mais également sur le plan sécuritaire. En République démocratique du Congo. Nous avons profité de cette occasion pour présenter au président de la République notre point de vue par rapport à cette crise à répétition que nous connaissons. Aujourd'hui, il est clair que pour sortir de cette situation, il faut absolument que nos dirigeants fassent une rupture avec les antivaleurs qui caractérisent aujourd'hui notre pays. La rupture avec des pratiques de corruption, la rupture avec un système de gouvernance qui a conduit notre pays dans ces chaos, et surtout la rupture avec toutes les personnes qui ont commis des crimes, des violations graves des droits humains, des crimes de sang, mais également des crimes économiques. Ça, c'est le premier point que nous considérons, que la rupture avec le passé doit se faire pour pouvoir commencer à penser à un avenir meilleur. Le deuxième point découle du premier. Les crimes ne peuvent pas rester impunis, puisqu'en fait, finalement, les criminels continuent à insécuriser l'Est de notre pays, et donc ainsi insécurise toute la République. Donc il faut une lutte contre l'impunité. Et cette lutte contre l'impunité passera absolument par la mise en œuvre des recommandations du rapport Mapping. Ici, je vais préciser, nous parlons du rapport Mapping, mais il y a nécessité de faire une deuxième cartographie qui va permettre en fait de cartographier tous les crimes qui ont été commis depuis 2003 à ces jours, puisque ces crimes continuent. Et donc ces recommandations sont très très importantes, puisque parmi les recommandations, il y a la recommandation d'une justice transitionnelle. Cette justice transitionnelle inclura bien sûr des mécanismes de poursuite et des jugements internationaux, mais également nationaux. Et ici, nous devons insister sur le fait que les poursuites judiciaires devront être extra-judiciaires, mais aussi judiciaires. Je pense spécialement à toutes les femmes qui sont aujourd'hui exclues de leur communauté,
puisqu'elles ont été violées. Nous savons très bien qu'en République démocratique du Congo, les femmes sont respectées et le fait de les avoir humiliées en public a entraîné tout simplement leur exclusion sociale. Et je crois que parmi les mécanismes que nous devons inclure dans la justice transitionnelle, nous devons avoir des mécanismes coutumiers qui permettent à ce que les femmes qui ont été exclues du fait d'avoir été violées, et ces viols qui sont considérés tout simplement comme ces femmes deviennent impropres à la société, qu'elles puissent subir des traditions qui les permettent de réintégrer la communauté. La troisième chose qu'on a demandé au président de la République, c'est qu'il s'implique personnellement et que ce soit lui qui soit le porte-flambeau de cette lutte contre l'impunité, spécialement en adressant une, en demandant au secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, de s'adresser au Conseil de sécurité pour la mise en œuvre donc d'un tribunal pénal international pour le Congo. Et la dernière question que nous avions évoquée, c'est les réformes institutionnelles. Notre pays ne décollera pas. Son décollage sera toujours hypothétique si on n'a pas des réformes profondes, courageuses, mais aussi des réformes ambitieuses qui vont permettre en fait à ce que nous ayons une armée, une police, un service de renseignement, donc l'ensemble de la sécurité, tout à fait apolitique et professionnel. Nous avons également besoin d'avoir, si concerne la justice, la Cour constitutionnelle, la CENI, tout à fait apolitique. Et je crois que ça, c'est capital, puisque quand vous voyez toutes les crises que nous connaissons, c'est puisque chacun veut absolument contrôler les institutions pour se maintenir au pouvoir. Alors que si nous avons des institutions qui sont apolitiques, neutres et professionnelles, chacun pourra faire prévaloir ses capacités de gouverner et pas compter sur une hypothétique fraude. Voilà ce que nous avons pu aborder avec le président de la République. Docteur, en clair, la rupture avec le passé passe aussi par la fin de la coalition. Bon, écoute, s'il y a dans la coalition des personnes qui ont commis des crimes, je pense que la coalition ne doit pas être faite une espèce d'oasis où se cachent les criminels. Je pense que les crimes contre l'humanité nous concernent tous. Les crimes contre l'humanité, on ne devrait pas avoir... Il n'y a pas de prescription par rapport à ces crimes contre l'humanité. Et je crois que moi, je ne connais pas... Je ne suis pas juge, mais ce que j'ai dit, si vous êtes dans la coalition et que vous aviez commis des crimes, vous devez répondre de vos crimes. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons un avantage, nous avons un président qui n'a pas trempé dans ces crimes. Au moins, ça, nous avons une certitude. Mais s'il y a des gens dans la coalition qui, malheureusement, ont commis des crimes de sang ou des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, il faudrait absolument qu'ils répondent à ces crimes. Et ces crimes sont imprescriptibles. Donc, qu'on ne se fasse pas d'illusion, on peut avoir un temps de grâce, mais un temps viendra où il faudrait que les morts congolais aient justice. Prix Nobel 2018, notable du Kivu, votre point de vue sur la question Minembwe. Je pense que cette question Minembwe ne devrait pas nous préoccuper, puisque je crois que c'est une distraction. Demander une justice transitionnelle, un tribunal pénal international pour le Congo, la question de Minembwe sera résolue. Merci. Deux enfants.
Oui, je voudrais d'emblée préciser que ici vous avez un groupe de sénateurs, des caches et des alliés, d'autres sénateurs, d'autres groupes politiques qui ont voulu se joindre à l'action et ou à l'annonce faite par son Excellence Monsieur le Président de la République. De quoi est-ce qu'il a été question? Nos échanges ont tourné autour de ce soutien que nous devons lui apporter dans la recherche d'une union sacrée pour la nation. Comme je viens de vous le dire, on n'est pas seulement du cash. Il y a beaucoup d'autres sénateurs qui ne sont pas cash, qui se sont joués à notre action. Il s'agit ici d'apporter le soutien au chef de l'État, parce que nous pensons que l'annonce qu'il a faite, c'est une annonce salvatrice pour la nation. Il est important qu'une nouvelle coalition puisse se dégager pour l'accompagner dans sa vision, une vision qui est centrée sur le slogan « le peuple d'abord ». C'est très important. C'est possible d'arriver à une nouvelle majorité? C'est très possible. Il y a beaucoup d'élus qui sont tout à fait d'accord avec son Excellence Monsieur le Président de la République et qui pensent qu'il est important de pouvoir l'accompagner dans sa vision.